La rentrée scolaire 2024-2025 a été effective le 12 septembre à l'école Cèdre. En ce premier jour, les élèves de la maternelle, du primaire et du collège, accompagnés de leurs parents, le personnel enseignant et le corps administratif, ont répondu présents à cette journée dédiée à la reprise des cours. L'on pouvait lire sur le visage des apprenants, qui sont de différentes nationalités, l'enthousiasme et la joie d'étudier dans ce cadre qu'offre cet établissement privé d'enseignement au programme français. Je suis contente d'être à ma nouvelle école. Je me sens bien, je me suis fait des nouveaux amis. Je pense que mon année scolaire va bien commencer. Je veux me faire des nouveaux amis. Au regard de son espace d'apprentissage et du personnel enseignant appliqué, les parents sont tout de même convaincus et rassurés de la qualité des enseignements qui seront dispensés. Premier jour d'école, les impressions ont été meilleures. Tout d'abord parce que le bâtiment où les enfants vont apprendre sont dans de bonnes conditions. Donc nous supposons aussi que l'éducation ira avec. Donc j'ai beaucoup aimé l'école. Je suis venue sur un coup de publicité, mais j'ai beaucoup aimé les locaux. Lancé cette année à Brazzaville, le Cèdre se veut être un cadre pédagogique qui motive l'apprenant et booste ses compétences. Nous sommes ici d'abord pour la première activité, d'abord, sert à motiver les élèves. Vous voyez qu'il y a plusieurs jeux qui ont été mis à leur disposition pour leur donner envie de venir d'abord à l'école. Et ensuite, nous avons toute une panoplie d'activités qui vont permettre à ce que les enfants se sentent bien. On parle avec les parents d'élèves. Hein? Et donc, concernant, si vous voulez, l'environnement scolaire lui-même, l'environnement pédagogique, on va dire aussi, tout le matériel pédagogique qu'ils ont, l'équipe enseignante, c'est des équipes multinationales. Et ils ont des écrans tactiles, de grands écrans tactiles pour apprendre. Les cours se font dessus, à côté des tableaux traditionnels, on va dire. Le groupe scolaire Le Cèdre offre plusieurs atouts aux apprenants pour favoriser leur épanouissement. Ils disposent d'un terrain de sport, d'un aire de jeu, d'un laboratoire sophistiqué, d'une salle de musique et d'une bibliothèque. Cette école est installée à Pointe-Noire depuis près de 4 ans.